Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la dernière Pokémon X en trois parties. Remettez les mots dans l'ordre et ça fait une phrase. Allons-y, les 20 dernières minutes de gameplay, mesdames et messieurs. Nous allons donc affronter cette dresseuse. Je vais t'électriser tes Pokémon. Ah ah, on se demande quel type elle maîtrise. Sandrine la fillette veut se battre. Et elle envoie un Pikachu. Est-ce que ça veut dire qu'il est possible de capturer un Pikachu dans ce jeu? Le Pikachu ne fait pas Pika, il fait un truc comme ça. Je sais plus trop ce que c'est le bruit de Pikachu, mais dans cette version-là, il fait Pika. D'accord, ok. Vous êtes allé à fond dans le délire, quoi. Que doit faire Dealer? Bah écoute, je pense que ça va suffire, hein. Voilà, maintenant on va reprendre notre ami, où est-ce qu'il est, Marisson. Changer. Et voilà. La fonction soigner, vous ne l'aviez pas vu parce que c'était sur le truc du bas. La fonction soigner est disponible aussi pendant les combats dans le menu des Pokémon. Alors, nous allons donc attaquer notre Pikachu avec l'attaque roulade, tiens. Voilà. Comme ça, nous allons pouvoir assister à la dégradation progressive de ce Pikachu. Marisson comme Pokémon de départ, c'est la bonne idée parce que avec roulade, déjà tu peux passer les insectes tranquillement. Et puis ce Pikachu là, tu résistes à ses attaques, du coup tu peux le roulader. Oh, j'ai raté roulade. Je disais en plus, ce qui est bien avec roulade, c'est que je peux laisser le jeu tranquillement et puis regarder la caméra et vous parler parce que j'ai décidé de prendre l'option webcam. Hein, pour faire mieux avec webcam pourri. Alors tant qu'à faire, autant regarder la webcam de temps en temps, autant y voir, hein, n'est-ce pas? C'est plus drôle. Est-ce qu'on s'en sort? Oui, on s'en sort. Encore un, peut-être deux, et ça ira. J'ai soif. C'est pas grave. Là, c'était le choc final. Annonce fatigue de Pikachu qui m'a paralysé, et il avait un P de vie. C'est absolument immonde. Ah non, il est mort. D'accord, c'est le statut juste avant de mourir. Dealer monte au niveau 3. Voilà. Puis au niveau 4. Puis au niveau 5. C'est bon, hein? Ok. C'est ton équipe qui m'a électrisé. Quelle force! Bien. Je peux soigner tes Pokémon quand tu veux. Eh bien, alors, action. Admire une pro à l'œuvre. Je sais pas comment tu fais pour les soigner, mais c'est une bonne nouvelle que tu y arrives. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose ici? Est-ce qu'il y a un Pokémon intéressant? Non. Il n'y a que des épidémies et des chenipans dans cette forêt. Voilà ce qu'il y a. Et des singes débiles. Et des cocons forts. Et potentiellement des Pikachu. Mais je vais pas faire des tours et des détours pour trouver un Pikachu pendant les 20 dernières minutes. Ce ne sera pas intéressant. À la place, nous allons tabasser Jeanne, la fillette, qui a un Aspico. En voilà un. Voilà. Mesdames et messieurs, vous vouliez voir un Aspico? En voici un. Et d'ailleurs, je pense que Dealer peut s'en occuper. Ça va être long. Ça va être chiant. Non, chiant, pas vraiment. Ça va être fastidieux. Voilà le mot que l'on recherche. Mais comme apparemment on se fait spermer la gueule, il n'y a pas de problème. On devrait survivre. C'est juste notre vitesse qui se fait un petit peu. Qui nous handicape. C'était quoi ça? Ah oui, d'accord, c'était d'Arvenin. Et évidemment, je me fais empoisonner. C'est une honte. Le mot poison est écrit en entier d'ailleurs, je précise, sur le côté. C'est toujours un détail non négligeable, mais c'est pas grave. On n'a pas perdu toute notre vie. On pourra demander à Sana d'utiliser ses mains magiques afin de soigner tout le monde. Et normalement, ça devrait bien se passer. Le jeu gueule un peu, là. J'ai un peu l'impression d'élever ma voix pour parler plus fort que le jeu. Voilà. C'est quand même plus agréable comme ça. Même si le jeu a des bonnes musiques. Elle veut envoyer un sapereau. Non, je vais rester comme ça. Et je vais changer maintenant. Voilà. On va envoyer Marisson. Non? C'est pas possible ça?
Bien sûr que si. Allons-y. Marisson termine donc ce combat avec des attaques foliales. Parce qu'il y en a marre d'utiliser roulade, ça fait un peu beaucoup tout le temps la même chose. Attention. Foliale. Mesdames et messieurs, et voilà. Et normalement, je pense que je pourrais one-shotter ce Pokémon. Allons-y voir. Eh ben non, presque. C'est pas grave. Une petite attaque charge devrait résoudre ce petit problème. Et ça ne sert à rien d'augmenter ta vitesse. Si tu meurs, à la rigueur, ça te permet de mourir plus vite que moi. Non, pardon. Oui, si, c'est ça. C'était ça la blague que je voulais faire. J'ai cru que j'avais raté ma blague, mais en fait, non. Et Marisson monte au niveau 10. Mon dieu, mais est-ce qu'on va voir Marisson évoluer dans cette vidéo? Oh. Oh. Eh ben, ça me poussera à entraîner mes Pokémon encore plus souvent. Dueling remporte 96 balles. Eh ben, vas-y, soigne-les. Je te rappelle que j'ai un Pokémon qui est empoisonné. Voilà. J'aimerais tellement capturer un Pikachu, mais j'ai l'impression qu'il me fuit. Donc je pense qu'on peut officiellement trouver un Pikachu là-dedans. De ce côté-là, il y a quoi? Il y avait un objet caché. Enfin, caché. Un objet isolé, dirons-nous. Un espace créé uniquement pour un objet. Attention, combat. Et c'est un... C'est un passe rouge. Le premier que l'on rencontre, mesdames et messieurs, je vais pouvoir capturer un Pokémon vol dont je vais lui servir. Là, il y a des chances que je meure. Ah non, il a que charge pour l'instant, ça va. Bon, je pense que ça devrait suffire. Un petit coup de Pokéball et ça devrait être satisfaisant. Je pense que je vais faire évoluer l'épidonie parce que c'est la plus proche de l'évolution. Ou le plus proche. Je vais même pas regarder le sexe de l'épidonie. Comme ça, il y aura une évolution dans cette première heure de jeu. Qui est d'ailleurs la seule. Un jour, peut-être, je ferai un let's play sur Pokémon X ou Pokémon Y. Mais quand ils seront. Non, je veux pas donner de surnom à Passe Rouge. Voilà. Je peux soigner des Pokémon. Oui, voilà, ça va, merci. Elle est interminable cette forêt. Ah, il y a quelqu'un au bout. Alors, c'est toi le premier arrivé? Il semble que mon nouveau voisin ait un certain talent en tant que dresseur Pokémon. Voilà les autres. Bon, eux, ils parlent. Et voilà Sana, prêt pour découvrir Navarto. Non, je veux un Pikachu! Donnez-moi un Pikachu! Je veux un Pikachu! Si c'est pas un Pikachu, je me casse. Hein. Là, j'arrête. C'est juste le truc. Et c'était un flottajou dégueulasse dont je ne veux pas entendre parler. On va envoyer notre ami Marisson pour qu'il termine le problème. Pour qu'il termine le combat. Et donner des points d'expérience à notre ami Dealer. C'est quoi ce bordel? L'attaque de Marisson Baise. J'ai pas lu ce que c'était comme attaque. C'est un intrigant. Faudra que je regarde au montage ce que c'est comme attaque. Parce que j'ai absolument pas vu. Hop là. Dealer monte au niveau 6, plus qu'un niveau. Dealer apprend Parasport. Intéressant. Dealer a appris une attaque qui n'est pas charge ou sécrétion avant d'évoluer. Ceci est inédit, mesdames et messieurs. Est-ce que t'es bientôt au niveau suivant? 92 points d'expérience. Je pense que si j'entre dans Navarto, il va y avoir des dialogues, et des dialogues, et des dialogues, et des dialogues, et des dialogues. Donc vaut mieux que je te fasse évoluer maintenant, comme ça c'est fait, et ensuite on passe à la suite. Oh tiens, un Espico. Est-ce que je vais vraiment le capturer? Je sais pas. Allez, oui, capturons-le. Chapam! Est-ce que... Ouais, je pense que ça marche bien. J'ai pas regardé combien de points... Combien de points de vie je vais enlever. Ça devrait être suffisant. C'est pas ça que je veux faire. Je vais ouvrir le sac. Et je vais utiliser une Pokéball. J'en ai encore 13? Non, c'est pas possible. À force qu'on m'en offre, c'est possible.
C'est probable, mais ça m'étonnerait quand même. Nous avons capturé un Aspicot. Ah si, pourtant j'ai l'impression de n'utiliser que ça depuis tout à l'heure, mais bon. Manifestement c'était 13. Voulez-vous donner un surnom à l'Aspicot capturé? Oui, et on va l'appeler... je sais pas moi. Oh, j'ai une idée. Voilà, je l'ai appelé Larveillette. Parce que j'aime bien faire chier le monde. Voilà. Voilà. Donc, normalement, ce combat devrait être le combat pour la gloire. L'épidonie contre l'épidonie. Oh non, mais niveau 2. Sans deck. Préparez-vous pour le combat du siècle. Non, pas le combat du siècle. Le combat du millénaire. Est-ce que vous êtes prêts? À l'attaque! Et voilà, en deux coups c'était plié et Dealer a gagné que 11 points d'expérience, ce qui est complètement peu. Allez quoi! Tout ce qu'on veut c'est l'évolution qu'ils appellent Pérégrin, si je me rappelle bien. Attention, l'original contre le nouveau. Lequel des deux va battre l'autre? Bon. Le nouveau est niveau 6, l'original est niveau 2. Je sais pas si ça peut jouer, peut-être. Il y a des chances. En tout cas, l'original se défend bien puisqu'il vient de me faire perdre un total extraordinaire de 3 points de vie. Et bam, et au revoir. Mais encore 11 points d'expérience, ce n'est pas suffisant. Voilà. Mais c'est pas grave, je persiste. Moi, je suis comme ça, comme mec, hein. Je veux ça. Voilà, je veux un Pérégrin, alors j'aurai un Pérégrin. Et ce n'est pas en m'envoyant dans la tronche de l'épidonie de niveau 2 que tu vas me freiner. Parce que je vais tous les tabasser, tes Pokémon de niveau 2. D'accord? Et si jamais j'ai plus beaucoup de points de vie, j'irai revoir Sana. Ok? Qui d'ailleurs ne va peut-être plus soigner mes Pokémon. C'est pas grave, on y croit quand même. Genre plus rapide, même. Et t'as fait sécrétion qu'une fois. Oh. Et t'es même pas mort. Alors là, moi je dis non. Moi je dis grève. On va brandir des panneaux et on va. Là. Et vous remplissez la musique avec les mots que vous voulez. De toute façon, c'est à ça que ça sert. Une manifestation, c'est de remplir la musique. Na. Avec. Est-ce qu'on pourrait avoir un Pokémon qui ne soit pas de niveau 2, s'il vous plaît? Allez, un Lepidonie niveau 4 au moins, peut-être, non? Niveau 3. Allez, c'est... Ils m'ont entendu. Ils ont entendu ma prière. Je suis désolé que ce Let's Play ne soit pas aussi drôle que prévu. Mais je voudrais quand même faire évoluer un Pokémon en live dans cette série. Je pense que vous comprenez. Novarto, vous aurez le temps de découvrir la ville. On s'en fout. Parce que ce qu'on veut voir, c'est une évolution maintenant. C'est ça que le peuple demande, le jeu, d'accord? Alors, action! Et évite de me tuer, Dealer, sinon je devrais quand même aller à Novarto. Et il y aura des dialogues de plus de 5 minutes, et du coup, et ben, au final, voilà quoi. Combien il manque là? Parce que j'ai un peu l'impression que ça fait des heures et des heures et des heures. Alors qu'en fait, il me manque encore 26. Donc 3 Pokémon. C'est beaucoup. À moins que je trouve un Pokémon intéressant tout de suite, là, maintenant. Un Pokémon qui me... Oh putain de oui! Ça par contre, ça par exemple, ceci est un Pokémon intéressant. Que je vais essayer de ne pas tuer. Ok. Je ne m'attendais pas à trouver un Pikachu. Je dois l'avouer. Mais c'est sympa. Oui, alors voilà. On va changer de Pokémon, hein. On va demander à Marisson, tant qu'à faire, hein. Par contre, Marisson, je ne vais pas me risquer à lui demander d'attaquer ce Pikachu. Parce que bon, il y a quand même 7 niveaux d'écart. C'est pas une bonne idée. Donc, en avant pour
une Pokéball directement en espérant que ça marche. Attention, là il y a du suspense. Vous êtes prêts? Et c'est gagné, yes! Voilà. Marisson gagne 48 points d'expérience et Dealer gagne 48 points d'expérience, mon dieu, mais c'est extraordinaire! Ça donne envie de capturer des Pokémon à la place de les tabasser pour augmenter plus vite de niveau. Et j'ai en plus un Pikachu. Le Pokémon souris. Eh bien oui, je vais l'appeler, c'est quoi? C'est un mâle magnifique, alors je peux sans problème l'appeler Sacha. Cela dit, si ça avait été une fille, ça n'aurait pas été gênant. Il y a des stars du X qui s'appellent Sacha. Mais bon, après, là, on extrapole. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas évolué. C'est quoi ce bordel? Dealer, qu'est-ce que t'as fait là? Bah, t'es niveau 7? Me dis pas que t'évolues à un niveau ingrat. Bon, bah, tant pis. Je suppose que j'ai capturé un Pikachu. Ça compense de pas voir d'évolution. J'en sais rien. Oh, il y a la route 3. On cherche des Pokémon comme le professeur nous l'a demandé. Nous avons une chance de rencontrer ici des Pokémon différents de ceux de la forêt. Bah, j'imagine bien, oui. Donc, en gros, on n'est pas tout de suite à Novarto. Bon, voilà. Voici ABC Aventure en 10 chapitres. Vous trouverez toutes les bases que les dresseurs doivent savoir. C'est la télé ABC, sauf que cette fois, c'est d'un livre. C'est-à-dire que c'est plus chiant que la télé. Mais voilà. Youpi, merci, cœur. Grenouille, je vais essayer de mieux te connaître. Eh ben, moi, j'aimerais bien accéder à un centre Pokémon. À moins que Sana me soigne toujours mes Pokémon. Non. Eh bien, alors, allons-y. Ma maman, eh ben, elle m'a dit que si un inconnu m'aborde, je dois lui taper dessus. Mais c'est quoi ce jeu? Ma mère s'installe avec le professeur Platane. Y a des blagues sur comme quoi il se drague. Là, il y a un petit garçon qui dit que les étrangers, enfin les inconnus, ils peuvent être dangereux. C'est quoi ce bordel? Qui a créé ce jeu? Moi, je me pose des questions, voyez-vous. Ça fait déjà 17 minutes. Ah oui. Ouais, je pense que l'on ne verra pas d'évolution. À moins que j'arrive à entraîner rapidement Marisson. Pour qu'en 3 minutes, il gagne 6 niveaux. Ce qui m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Un Azuril, c'est un Pokémon de type normal, mais c'est pas grave. Je vais faire Floyane quand même. Mais non, parce que Roulade n'est pas terminée. Donc, oh, pistolet à eau. Mon dieu, que va-t-il se passer? Ah, bah, c'est pas très efficace. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Est-ce que ça donne des points d'expérience beaucoup, un Azuril? 31. Bon, c'est potable. Ma maman, elle m'a dit que si je perdais un combat, je pouvais pleurer comme une fontaine. Bah, pleure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'essuierai tes larmes, mon enfant. Je les essuierai avec un Kleenex. Attends, ça fait pas peur. Ça en va éviter. Au revoir. Est-ce qu'on a peut-être un autre Pokémon plus intéressant ici? Ah, celui-là, j'ai le pressentiment qu'il va être important. Non. Bon, c'est un Azuril, c'est pas grave, on peut pas gagner à tous les coups. Niveau 5, par contre, ça peut être intéressant de gagner des points d'expérience avec Marisson à ce niveau-là. Attention, coucou Marisson. L'attaque tourniquet. Elle ne te servira à rien ici, Azuril. Je n'ai aucune attaque feu. J'ai même pire, des attaques plantes. Comment ça t'es pas mort? Ah oui, t'es un Pokémon normal. J'avais oublié ce détail. C'est pas grave. Refouéliane. J'aime beaucoup l'animation de Fouéliane dans cette génération.
Ça fait un petit ch'tac. C'est très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va terminer ce let's play en affrontant cette personne. Moi, j'y comprends rien, alors je laisse mon Pichu faire ce qu'il veut. Ah. C'est pas forcément une bonne idée. Pichu n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. C'est bon, on a vu que 3 Pokémon de la 6G depuis le début, là. Marisson, l'épidonie et passe rouge. Donc c'est vraiment un jeu où apparemment les Pokémon des anciennes générations sont remis au goût du jour après la génération 5 qui leur chiait littéralement à la gueule en les excluant de Pokémon version noire et Pokémon version blanche, même si certes c'est revenu dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Pokémon Noir et Blanc était raciste. Pour un jeu qui s'appelle Noir et Blanc, c'est quasiment choquant. Quasiment. Et normalement, ça devrait être suffisant. Et oui, Pichu est mort. Les Pichu sont pas des Pokémon très résistants de manière générale. Le niveau 11. Je devrais prendre Vampigraine là, non? Morsure. Et c'est quand que j'ai Vampigraine? Moi j'aime bien Vampigraine. Soit, alors j'ai oublié Rugissement afin d'apprendre Morsure. Tada! Marisson oublie Rugissement. Et Marisson apprend Morsure. Et j'ai battu Lumi la petite. Mon Pichu a perdu. Oui, du coup, comme elle savait pas ce qui se passait, elle vient aux informations après. Hey, te moque pas, moi c'est Violette qui m'apprend les combats de Pokémon. Madame Violette, c'est la championne d'arène de Nevarto et elle est méga forte. Oui, mais nous on ne rencontrera pas Violette puisque nous allons terminer notre let's play ici. Ah, voilà. Il se passe beaucoup de choses sans qu'on ait le contrôle dans ce jeu. Voilà. Donc c'était les 60 premières minutes de mon let's play de Pokémon version X. Et d'ailleurs les 60 seules puisque il n'y aura pas d'autres minutes de let's play. Maintenant je vous laisse découvrir le jeu par vous-même. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir plus. Je suis volontairement pas allé très loin dans le jeu. J'ai préféré m'attarder sur l'environnement et les détails. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de cette série d'épisodes. Maintenant lancez-vous, découvrez la 6ème génération de Pokémon. On l'a patiemment attendu, elle est là. Jetez-vous-y. Voilà. Et donc en attendant de vous retrouver dans une autre vidéo, je vous dis salut à tous et à la fin prochaine.